Bonjour, aujourd'hui on va faire le menu de la mer, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire avec ma bisque de crevettes. Alors fruits de mer, quenelle et poissons. On va commencer par faire chauffer dans du lait 300 g de cocktail de fruits de mer. C'est pour deux les recettes. Quand ça bout, vous coupez le feu et avec une araignée ou une écumoire, vous débarrassez dans un tupperware les fruits de mer, puis au frigo. Et vous remettez le feu et vous faites cuire deux portions de poisson dans le lait. Faites attention, ça va très vite. C'est cuit quand ça se fragmente quand on appuie dessus. Dans le même lait, on va faire cuire 6 quenelles. Quand ça bout, 10 minutes et vous débarrassez. Voilà, ça bout, on éteint le feu, on met les quenelles dans un tupperware. Il faut qu'il reste assez de lait pour faire la sauce pour tout ce qu'on vient de cuire. On va rajouter de la bisque de crevette jusqu'à ce que ce soit corsé, car on va lier avec la maïzena. Voilà, c'est assez corsé. Dans un bol, vous mettez à peu près 40 g de maïzena, soit 2 cuillères à soupe. Puis vous diluez avec un peu de lait froid. Vous fouettez et vous rajoutez à la sauce bouillante. Vous fouettez jusqu'à ce que ce soit homogène et quand ça bout, vous coupez le feu. Si c'est trop épais, rajoutez du lait. Ou si c'est pas assez salé, de la bisque. Vous ne poivrez pas. Et vous salez en rajoutant de la bisque. Si c'est pas assez épais, vous recommencez avec de la maïzena. Voilà, c'est assez épais. On va napper généreusement les quenelles avec le poisson dessous. Mettre le poids de bisque que de fruits de mer. Après, il me reste de la sauce. Bah, accompagner. Je sais pas, pour des pâtes ou encore du poisson de main ou avec du riz ou une soupe de poisson ou une sauce pour des surimi. Ensuite, on mélange les fruits de mer et on les met dans des ramequins ou dans la coquille des Saint-Jacques avec de la chapelure dessus. Quand vous passez à table, vous chauffez tout ça au micro-ondes et au four sous le grill, que celui du haut, le plus près du plat, porte ouverte, quelques minutes. Et voilà, bon appétit!